La production de cette série « Mes racines, mon histoire » est rendue possible grâce au programme Fonds d'action culturelle communautaire du développement des communautés de langues officielles de patrimoine canadien. Mes racines, mon histoire. Bonjour à tous et bienvenue à une autre édition de Mes racines, mon histoire. C'est l'émission où on va à la rencontre de jeunes entre 12 et 30 ans à Edmonton, en Alberta, au Canada. Sans plus tarder, présentation. Nos invités aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Raphaël Dion, j'ai 14 ans et je vais à l'école Joseph Moreau et j'adore le hockey. Bonjour, je m'appelle Marc-Yohann Codiané. Je vais à Joseph Moreau aussi, j'ai 14 ans. J'aime toutes les sortes de sports et j'aime essayer de nouvelles choses. Yeah. Parfait. Raphaël, tu peux nous présenter la première pièce musicale? La première pièce musicale va être « Ça va » par Émile Bilodeau. Et j'ai choisi cette pièce car elle apporte quelque chose. C'est la première chanson que j'ai apprise à la guitare. Donc, elle me touche vraiment au cœur et j'ai hâte que vous l'écoutiez. Marchions sur le boulevard de la vie, en destination vers la mort, nous étions partis. Et puis Dieu, dans son char, s'arrête sur le bord. Il me dit, hey mon fils, veux-tu que je te fasse un lift? Et j'ai dit, non, ça va, je vais marcher. Et j'ai dit, non, ça va, je vais marcher. Et si vous voyez ceux que j'aime en chemin, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je ne suis plus très loin. Et si vous voyez ceux que j'aime en chemin, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je ne suis, et que je ne suis plus très loin. Nous marchions sur ce boulevard dans la nuit. Et puis le ciel et ses aurores étaient ma foi si jolis. D'un coup le vent était fort et puis le temps était gris. Sorti de nulle part, un vieux moteur s'arrête et me dit, oh tu sais mon gars, j'ai tellement attendu souvent dans ma vie. Oh ma sentence, la romance et puis le restaurant aussi. Tu sais que le temps se fane et moi j'ai perdu ma femme. J'ai perdu tous mes amis aussi et je n'ai plus aucune, aucune compagnie. Alors monte sur mon Harley puis accroche-toi et on va triper. Pis là j'ai dit c'est bien beau tout seul moteur, mais t'as-tu des idées noires, quelque chose du genre? Ben non, ça part à part, c'est juste que moi j'ai côtoyé la mort. Et si je t'invite sur mon B6, c'est pour que ta route aille un peu plus vite. On va flyer 100 000 à l'heure, brûler notre gaz, drette dans le bonheur. On va rouler sans arrêter, mais moi de lui répondre très embêté. Non, ça va, je vais marcher. Et j'ai dit non. Ça va, je vais marcher. Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je les revois bientôt. Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je les revois. Et que je les revois bientôt. Si parfois il m'arrive de regarder la route puis de me dire que ça me tente plus pantoute, parce que la vie sans toi, sans ligne pour être un énorme défi, j'aime mieux pas prendre de raccourcis. Non, ça va, je vais marcher, et j'ai dit non, ça va, je vais marcher. Je vais marcher. Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je les revois bientôt. Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je les revois. Et que je les revois bientôt.
Vous écoutez Mes Racines, mon histoire. L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo. Regarde à toi. Et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Regarde à toi. Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote. Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous. Garde à eux, garde à vous. Et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime. S'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme. L'amour est enfant de la consommation. Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi. Regarde à toi. Mais j'en connais déjà les dangers. Moi j'ai gardé mon ticket. S'il le faut, je vais les changer, moi. Regarde à toi. Et s'il le faut, j'irai me venger, moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter, moi. Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous. Garde à eux, garde à vous. Et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme. Un jour t'achètes, un jour tu aimes. Un jour tu jettes, mais un jour tu payes. Un jour tu verras, on s'aimera. Mais avant, on crèvera tous comme des rats. Hey. Alors, vous venez juste écouter Carmen par Stromae. Et j'ai choisi cette chanson parce que ça parle de l'addiction aux réseaux sociaux et comment ça nous sépare des autres et comment on construit une dépendance à ça. Et si on ne fait pas attention, ça peut prendre notre temps. Ça peut détruire des relations avec nos amis, nos parents et plusieurs personnes. So, like, yeah. C'est tellement vrai. Bien dit. Et maintenant, la question s'adresse à toi, Raphaël. Est-ce que tu es né ailleurs qu'en Alberta, toi? En effet, je suis né ailleurs en Alberta. Je suis né en Saskatchewan. OK. Je suis né en Saskatchewan, puis j'ai vécu la moitié de ma vie là. OK. 9 ans. Puis pourquoi tes parents sont venus? La raison vraiment, c'était juste un changement de carrière. Ils voulaient prendre des nouveaux travails. Mm-hmm. Puis là... Il y a de nouveaux travail ici. Puis on a gros du fun. Oui. Donc, tu te souviens de où tu es né, puis tout oui. ça. Puis, oui, oui, oui. Puis tu aimes ça, y retourner une fois de temps en temps, j'imagine. J'adore y retourner parce que toute ma famille, là, puis mes anciens amis, c'est toujours amusant de les revoir. Yeah. Absolument. Puis toi, Johan? Moi, je suis né en Afrique, spécifiquement en Côte d'Ivoire. Mes parents sont venus ici parce que, comme... Le Canada, il y a plein d'opportunités, comme ça ouvre plus de portes et comme ça va être plus facile pour nous d'avoir un futur. You know? Oui, pour les enfants. Pour les enfants et stuff. Et comme, yeah, pretty much. Est-ce que tu as beaucoup de frères et sœurs, toi? Non, j'ai juste un frère et une sœur, mais j'ai plusieurs cousins et cousines. Oui. Yeah.
Est-ce qu'ils sont encore en Afrique? Oui, ils sont toujours là-bas. OK. Yeah. Et ça t'arrive d'y retourner des fois? Oui, quelques fois pour aller visiter mes membres de la famille et pour les vacances aussi. Ah, c'est beau ça. Et maintenant, Johan, tu vas nous présenter la prochaine pièce musicale? La prochaine pièce musicale est Afrotrap par MHD. Il y a une raison spécifique pourquoi tu as choisi cette pièce? Oh non, c'est juste que j'aime comment il a créé le beat et comment il rappe, parce que comme c'est très difficile de rapper en français. Ça, c'est vrai. Alors, comme, yeah. Ah! Afrotrap partie 11. Ça m'est parti, sale fou. C'est le retour du petit prince qui baisse tout. J'encaisse tout et rends coup pour coup. Sur la télé de ma cellule, je vois ma tête partout. C'est pas du cinéma, c'est la réa. Demain tu veux tout part, j'ai pas chez là. La vie c'est pas un cartoon, les joueurs qui partent tous. Ceux qui comprennent tous, bon balala. C'est pas mon disque d'or qui va redonner le sourire. Bellec, dans peu de temps, ça va sévir. Macabélique comme Tupac, j'suis encore dans les bacs. Je n'ai pas fini avec la faute rap. Si tu veux ton flic, passe en DM. 50-50, j'ai mon bénéf. Barre-toi, Salem. Wesh, les mecs, on tire pas Jack, mais sur la véranda. Allô, bébé, attends, je suis au studio. Je peux pas t'appeler, je dois inspirer quelques rappeurs. Ça sème par-ci, ça sème par-là. Et quand je m'ennuie, je me fais des tubes en un quart d'heure. Dois pas comprendre comme moi, fâché. Moi, pas parler, manger, instruire pendant des heures. Je suis très poli et généreux. Si tu me crois apte, tu peux demander même à ta soeur, sale fou. Mes ennemis, même tous. Ah, tiens, traite tout. Et c'est pire qu'avant, y'a ma tête. Je suis King Kong, 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 je suis King Kong. Et t'es approche sur les compètes, tu voulais m'éteindre mais t'es trop bête. C'est pas que j'ai pris la grosse tête, mais t'as gâti m'a mis en fond d'écran dans son fun tel. Eh ouais, la faute trap à son padré. J'ai vu des mini-mois, mais ça se voit que c'est du calqué. Chaque année, c'est mon année, 8 ans que c'est pas maintenant que ça va se calmer. Fucking boss, mon sauce, j'te cache pas que j'ai la dalle atroce. J'ai gratté matin, midi, soir. Mes beatmakers n'auront pas de vacances. On a capté, top, top, assassin, c'est MH, un de vos clients fidèles. Top, top, le top strip, c'est papa. J'suis arrivé poser ma petite tête. J'ai le code moula illimité. Et y'a que ma paire, c'est une édition libre. Je veux que me branche, j'ai pas quitté. Enlève ta main de mon épaule, petit enculé. Je suis King Kong, 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 je suis King Kong. Y'a tout le temps 4 ans d'allumer sur le feu de mes ambitions. À force de me dépasser, je me perds moi-même dans l'horizon. Sans faire pour tout et rien, jouer du coude pour garder sa place. À vivre que pour demain, je ne fais que survoler mes traces. Et octobre vient de passer un coup de vent. Une de voir l'automne s'effeuiller.
exister sur le pouce, pogné dans le tourbillon, je pédale. Après quoi, au fond, on veut tous s'arrêter, mais on est happé comme des cons par ce monde de cinglés qui fait qu'on regarde plus les saisons. Et octobre vient de passer un coup de vent, une autre année où je n'ai pas pris le temps de voir. Vous venez d'écouter la chanson Octobre par les Cowboys Fringants. Cette chanson, si elle me touche beaucoup et probablement les autres, car c'est une chanson qui vraiment explique comme on passe vraiment autour de l'automne et l'octobre très très rapidement, puis on brûle sur nos mois, puis on va pas vraiment prendre le temps à prendre cette nouvelle saison et regarder la beauté. Mm-hmm, la savourer profondément, là. Oui. Et puis, maintenant, à votre âge, là, l'école, ça prend une place importante. Puis là, ma prochaine question pour toi, Johan, c'est quoi ton rapport avec l'école? C'est très important pour moi parce que, comme, sans l'école, c'est difficile, comme, pas réussir, mais, comme, d'avoir une vie stable et, comme, you know, ce que je veux dire. Alors, comme. Puis de faire aussi ce que tu as envie de faire. Oui. Et comme tu peux trouver un métier facilement avec l'école, mm-hmm. et ça t'apprend beaucoup de choses avec les amis, avec les matières. Oui, et c'est comme... ça. Il y a la vie sociale aussi. Oui, c'est hein. ça. C'est ça. Et pour toi, Raphaël, toi, l'école, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Comme Marc-Yohan, c'est très important pour nous et tout le monde. Puis je trouve aussi que l'école, sans l'école, tu peux pas vraiment te baser sur quelque chose, car ça t'apprend aussi beaucoup de... comment être sociaux avec du monde, et chaque journée on apprend quelque chose de nouveau. Yep. Donc pourquoi pas aller. Absolument. Puis tiens, on va parler des sujets préférés là. Toi, Johan, c'est quoi ton ou tes sujets préférés? J'aime beaucoup les études sociales et les sciences parce que comme je suis plus confortable dans ce domaine, et depuis que je suis petit j'ai toujours été bon. Alors comme maintenant que je suis grand, je suis comme attaché à ça. Mm-hmm. Et comme ça a toujours été mes matières préférées. Absolument. Et yeah. Oui. Et pour toi, Raphaël? Pour longtemps, être social a été mon cours préféré, car c'était vraiment intéressant d'apprendre sur le passé du Canada et comment c'est devenu un pays. Mm-hmm. Et j'adore aussi beaucoup les sciences, car c'est vraiment comprendre la base de la vie et comment tout est créé. Mm-hmm, mm-hmm. Et pour toi, Johan, c'est quoi le sujet que t'aimes le moins? Oh! Alors, le sujet que j'aime le moins, ça doit être anglais ou français, parce que comme on a besoin de ça pour comme vivre dans notre société bilingue. Mm-hmm. Parce que comme c'est les deux langues officielles du Canada. Mais comme, j'ai jamais aimé écrire ou comme lire des textes et faire des textes de rendement à propos de... Oui, c'est ça, écrire comme une petite conclusion, oui, ou c'est une ça. Petite composition sur le texte que tu viens de lire. Et en plus, ma partie préférée, c'est les poèmes. Mais comme l'unité de poèmes dans les deux langues sont très courtes, très court. C'est comme... Ça m'intéresse pas beaucoup. Sinon, yeah. des fois, vous avez à lire des longs romans, puis quand ça s'intéresse pas vraiment, c'est yeah. long, hein? Je me souviens, oui, c'est vrai que c'est difficile. Et pour toi, Raphaël, c'est quoi, toi? Bon, aussi, comme Marc-Yohan, les cours de langue sont très, très importants et pour fonctionner comme humain, mais j'aime beaucoup plus avoir comme une interaction
écouter mm-hmm. plus, au lieu de comme écrire des puis faire des travaux parce que soit en français ou en anglais c'est des petites explications et tu fais des travaux. Ouais, puis là c'est long, faut que tu écrives, puis il y a la page blanche. Oui, oui. Puis tu dis comment je vais commencer à écrire? Ah, je suis devant la page blanche. Oh, oui. Non. Puis Raphaël, toi, tu vas nous présenter une pièce musicale ici, mais je ne connais pas ce groupe. Présente-nous un petit peu, c'est pourquoi tu as choisi cette pièce. Donc, la pièce musicale que je vais vous présenter, c'est Ensemble par Ellie et Papillon. J'ai commencé à écouter à ce groupe il y a juste 3 semaines. Puis leurs chansons sont vraiment intéressantes et ils ont des très belles paroles. Et leur chant avec leur musique, ça fait une très belle mélodie et ça sonne très, très bien. Donc, j'espère que vous pensez la même chose que moi. Oh, merci de me faire découvrir ça. J'écrirai sur les toits dans un porte-voix. Je lancerai des fleurs pour apaiser le feu. Je ferai le souhait de baisser les armes. Je prendrai le blâme en signe de paix. Notre histoire est sans fin. Joue le même refrain. Et malgré le temps ne s'arrête jamais. C'est un combat de taille au travers des flammes. Qui sait le jour viendra où tout s'arrêtera. Lève les voiles, pars en cavale. Sache que toujours je t'attendrai. Si dans ce monde tout est possible, sache que toujours je t'aimerai. Ensemble nous pouvons changer. Il faut tout recommencer. Ensemble nous pourrons changer. Il faut tout recommencer. La vie a ses détours, ses peines et ses joies. Si le temps est chaos, il faut braver les eaux. Je nous ai vu tomber, chercher le rivage. Mais il nous faut marcher, retrouver le courage. Notre histoire est sans fin, joue le même refrain. Et malgré le temps ne s'arrête jamais. C'est un combat de taille au travers des flammes. Qui sait le jour viendra où tout s'arrêtera. Lève les voiles, pars en cavale. Sache que toujours je t'attendrai. Si dans ce monde tout est possible, sache que toujours je t'aimerai. Écoutez Mes Racines, mon histoire. I always do.
Alors, vous venez juste d'écouter Looking Out For You par Joy Again. C'est une chanson d'amour qui parle de une fille et un gars. Et la fille est trop timide et elle ne sait pas quoi faire, mais le gars, lui, il veut avancer avec les choses. Et c'est juste mélancolique et ils ne savent pas quoi faire. Et comme looking for each other, alors comme ils doivent regarder, you know. Maintenant, on passe à une question vraiment intéressante parce que c'est une question existentielle qu'on peut se poser dans la vie. Quelle place tient l'amitié dans votre vie? On va commencer avec toi, Raphaël. L'amitié, c'est très important car c'est le monde que tu choisis qui t'entoure vont vraiment influencer la personne que tu es. Parce que c'est des certains choix que tu vas faire, les influences, comme si tu as une mauvaise influence puis tu fais quelque chose qui est pas la meilleure option pour toi, ben ça pourrait arriver à ruiner ta vie. Le vestiaire. C'est donc vrai. il faut toujours faire les bons choix d'amis et l'amitié reste très importante car c'est les personnes qui vont être là pour toi. C'est vrai ça. Et puis pour toi, Johan, c'est quelle place tient l'amitié dans ta vie? C'est pas mal la même chose que Raphaël. Comme l'amitié, c'est vraiment comme ça va comme définir ton futur parce que comme tu commences l'amitié avec quelqu'un, ça peut rester pour toute ta vie et ça peut t'influencer, changer et ça peut, comment dire, c'est comme tu commences avec l'amitié dans presque tout ce que tu fais, à l'école, au travail, même dans les relations, tu dois commencer avec l'amitié même si tu la connais pas, you know. Oui, avec une fille par exemple, oui. Relation plus amoureuse, oui, c'est vrai que ça commence souvent par l'amitié, hein, on peut dire ça. Yeah. Et puis maintenant, Johan, est-ce que tu nous présentes la prochaine pièce musicale? Alors, la prochaine pièce musicale s'appelle Daddy Issues par The Neighborhoods. Et ça parle des problèmes avec les parents ou le père et comment ça peut comme influencer comment tu grandis, comment tu as grandi. Ouais. Yeah.
what your mama went through. You gotta let it out soon, just let it out. Vous écoutez Mes Racines, mon histoire. Quand on verra dans le miroir nos faces ridées pleines d'histoires. Quand on en aura moins de vin qu'on en a maintenant. Quand on aura enfin du temps et qu'on vivra tranquillement. Quand la maison sera payée, qu'il restera plus rien qu'à s'aimer. On va s'aimer encore au travers des doutes, des travers de la route, et de plus en plus fort on va s'aimer encore. Au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort, on va s'aimer encore. Quand nos enfants vont partir, qu'on les aura vus grandir, quand ce sera leur tour de choisir, leur tour de bâtir. Quand nos têtes seront blanches, qu'on aura de l'expérience. Quand plus personne va nous attendre, qu'il restera plus rien qu'à s'éprendre. On va s'aimer encore au travers des doutes, des travers de la. S'aimer encore au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort, on va s'aimer encore. Démodé. Quand toutes les bombes auront sauté, que la paix sera là pour rester. Quand sans boussole, sans plan, on partira au gré du vent. Quand on lèvera les voiles devenues de la poussière d'étoiles. On va s'aimer encore après nos bons coups, après nos déboires, et de plus en plus fort on va s'aimer encore. Au bout de nos doutes, au bout de la route, au-delà de la mort on va s'aimer encore. Au bout du doute, au bout de la route, au-delà de la mort on va s'aimer. Cette
c'était On va s'aimer encore par Vincent Vallière. Cette chanson va beaucoup toucher les personnes qui sont en couple, qui aiment quelqu'un. Cette chanson est vraiment belle et la voix de Vincent Vallière est aussi une des plus belles dans la chanson francophone. C'est vraiment beau, hein? Oui. C'est une belle chanson d'amour. Maintenant, la question que je me pose, c'est quoi dans la vie qui vous tient le plus à cœur, Raphaël, par exemple? Moi, les choses qui me tiennent vraiment le plus à cœur, ça va être la famille. La famille, c'est la base. C'est les personnes qui vont te former. Ça va être les personnes qui vont être autour de toi le plus longtemps. Mm-hmm. Puis les amis, ben, comme on l'a déjà expliqué, parce que eux aussi, ils forment un peu qui tu es. Mm-hmm. Les sports aussi, l'activité physique, car c'est la façon de se garder en santé. Puis c'est là où j'ai rencontré la plupart de mes personnes, autres que l'école. J'ai rencontré des personnes que j'ai apprécié être avec eux. Puis ça t'apprend aussi comment travailler en équipe. Et une place qui est très importante dans ma vie, c'est vraiment les jeux vidéo. Ça a toujours été une grande partie dans ma vie depuis que j'ai 7 ans. J'ai toujours joué beaucoup. Puis c'est mon hobby préféré. T'adores ça. Oui. Et pour toi, Johan? Je crois que personnellement que tout ce que tu vas ou tu vis dans ta vie, c'est important. Mm-hmm. Alors, comme tous les événements que tu as vécu ou qui t'ont arrivé, c'est très important parce que ça te forme qui tu deviens, qui tu es. Alors, comme si je dois être spécifique, je crois que l'école, la famille, les amis, les sports, comme il a dit, pas mal tout ce qu'il a dit parce que c'est la base, c'est ce qui te forme et ce qui est le plus important. Oui. Vraiment bien dit. La pièce musicale qui va être présentée est « J'en ai plein mon casque » par Émile Bilodeau, encore. Puis cette chanson, j'ai choisi parce que ça explique qu'on a tellement de choses qui vont dans notre tête. Puis des fois, il faut juste vraiment il faut prendre une pause. Car s'il y a trop de choses, on va prendre une crise, puis ça peut aller très, très mal. Quelle sagesse! Merci pour ça. J'en ai plein mon casque de l'hiver, de ta mère, des nids de poules, de tous nos rêves qui s'écroulent. J'en ai plein mon casque de la guerre, puis de toutes les autres affaires qui font que les humains de la terre ont tout plein de remords dans le face. J'en ai plein mon casque. J'ai bâti ma vie comme on construit des maisons. La cuisine est partie et j'ai botché le salon. Et demain c'est ma fête et j'espère bien que peut-être quelqu'un m'offrira une fenêtre que je pourrai mettre sur ma tête. La vie va me donner un an, mais je parie que Pikachu serait pas content de savoir que je m'en vais devenir un homme et que je devrais me séparer de toutes mes cartes Pokémon. Oh shit. Et j'ai des remords d'en face parce que aimer ça me fait faire des grimaces comme celles qu'on fait quand on bouffe un citron. Mais je fais pas exprès, je suis peut-être juste un peu con. Ça me prendrait plus de temps et encore plus de rire. Et peut-être bien qu'à 100 ans je pourrais encore me servir mon café crème ou bien du lait. Et puis je t'aime et s'il te plaît reste avec moi jusqu'à la fin, ou ben au moins en attendant le refrain. J'en ai plein mon casque de l'hiver, de ta mère, des nids de poules et de tous nos rêves qui s'écroulent. J'en ai plein mon casque de la guerre, puis de toutes les autres affaires qu'un artiste doit de dénoncer quand il va chercher son trophée. J'en ai plein mon casque. Monsieur, pouvez-vous me dire, sans trop être furieux, si j'ai le droit de partir de votre cour d'économie qui me remplit le coco d'ennui? Car
je suis sûr que l'offre et la demande pourraient attendre. Et si on prenait le temps d'en discuter avec monsieur le PIB, je suis sûr qu'il pourrait vous parler du fait que votre réalité est frette. La vie ne se résume pas qu'à l'argent, il y a l'amour et puis le temps. Ah, oh, il y a l'amour et puis le temps. Ah, 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 il y a l'amour et puis le temps. Ah, ah, hey, bam, bam, il y a l'amour et puis le temps. Même si trop souvent j'en ai plein mon casse de l'hiver, de sa mère, des nids et de tout mon peuple qui s'écroule. J'en ai plein mon casse de la guerre, de toutes les autres affaires qui font que les humains de la terre ont tout plein de remords dans le face. J'en ai plein mon casse. Et moi, j'écris le temps qui passe. Et toi, tu vis tout ce qu'on s'est dit. La nuit, la lune, le feu, l'orage. Dans les rues sombres, on bat l'ennui. C'est dans ta tête que tout s'efface. Les bons moments, mes fautes, ta rage. Et on se rejoint à la sonnerie. Crier l'espoir, ma nostalgie. J'aimerais baisser tes yeux douteux. J'aimerais chasser ta nostalgie. Relever ta tête, sois courageux à deux. On est plus fort que l'ennui. J'aimerais baisser tes yeux douteux. J'aimerais chasser ta nostalgie. Relever ta tête, sois courageux à deux. On est plus fort que l'ennui. C'est ma solitude. Avec lui seulement. Paradoxe et plénitude. Avec toi doucement. Parcourir la ville. Dans la nuit, le vent. Allongé, immobile. Combattre le temps. Grimper, courir. Avec toi, fuyant. Sauter, danser. Dans la pluie, souvent. Pleurer, ternir. Je partir longtemps. Fuir l'ennui. Juste un instant. J'aimerais baisser tes yeux douteux. J'aimerais chasser ta nostalgie. Relever ta tête, sois courageux à deux. On est plus fort que l'ennui. J'aimerais baisser tes yeux douteux. J'aimerais chasser ta nostalgie. Relever ta tête, sois courageux à deux. On est plus fort que l'ennui. Dans le soir, puis dans la nuit. Puis finalement, il n'y a que toi, tes souvenirs, ton cœur en manque. Alors tu pleures et tu effaces le temps qui passe, celui qui lasse. Vous venez juste d'écouter La Nuit par Vidéo Club. C'est une chanson d'amour que j'aime beaucoup parce que comme la Saint-Valentin c'est demain et comme j'aime beaucoup les chansons d'amour, la composition, les mots, le beat et comment ça va. Mm-hmm. Et c'est une très bonne chanson. Maintenant, Raphaël, c'est qui la première génération de ta famille au Canada? Première génération, c'est très intéressant dans ma famille, sur les côtés de ma mère et de mon père.
On va commencer avec le côté de mon père. La première personne à être au Canada, son nom c'était Jean Guyon. Et cette personne-là était le premier à s'établir au Canada. Donc le premier Européen à s'établir et avoir une famille au Canada. Oh ben, j'en apprends des choses aujourd'hui. Ouais, quand j'ai réalisé ça, puis j'ai fait une recherche sur cette personne, j'ai trouvé ça très intéressant que une personne dans ta lignée. Oui, dans ma lignée, est le premier Européen à s'établir au Canada. Et sur le côté de ma famille, ça fait pas longtemps qu'ils sont au Canada. Mais le premier surnom était Clotaire Denis. Et cet homme-là, il est allé en Hollande où il a rencontré sa femme. Et puis là, ils sont venus au Canada, en Saskatchewan. OK. Et la Saskatchewan, ils sont arrivés quand vraiment... le français au Canada devenait comme... Le gouvernement voulait essayer d'arrêter le français. Ah, je vois. Puis cette famille-là, c'est vraiment... De côté de ma mère, c'est vraiment battu. Comme... battu pour aller le français. Il y a un village nommé pour eux. C'est quoi le nom de famille de ta mère? Denis. Donc, c'est... Je trouve que les deux côtés de mes parents, c'est vraiment intéressant car c'est... Mm. Un, c'est le premier au Canada et l'autre, c'est quelqu'un qui s'est battu pour le français en Saskatchewan. Oui, tu viens d'une lignée de gens très courageux. Oui. Et pour toi, Johan, c'est qui la première génération de ta famille à s'installer au Canada? Alors, comme mon père était le premier à venir ici, et parce que, comme j'ai dit, les opportunités au Canada et comment dire... C'était vraiment pour le travail. Il venait d'où déjà, rappelle-nous? La Côte d'Ivoire. Ah oui, yeah. En Afrique de l'Ouest. Oui, c'est ça. Alors, il est venu ici pour le travail, trouver un nouveau métier. Et après, je suis venu ici, ma mère est venue. Après, ils ont eu mes frères et sœurs. OK, qui sont nés au Canada. Oui, ils sont canadiens. OK. Yeah. Et toi, tu es né en Côte d'Ivoire. Oui. Est-ce que... t'as des bons souvenirs, t'as des souvenirs très frais de la Côte d'Ivoire? Ou... juste un peu, mais tu sais, comme j'avais 5 ans quand je suis venu ici. Ah oui, c'est ça. Alors comme j'ai eu des bons souvenirs, je me souviens que ma grand-mère a organisé un grand anniversaire pour mes 5 ans, mais ça c'est tout ce que je me rappelle. Ah oui, ça c'est vraiment un événement important. C'est comme un événement très important. C'est beau. Eh bien, c'est ainsi que se conclut la première heure de notre émission avec Raphaël et Johan. Vraiment, ça a été un vrai plaisir d'être avec vous deux et de vous entendre parler. C'est rare qu'on entend les gens de votre âge parler en public. Et je sais que vous avez choisi une chanson toute spéciale. On va se laisser avec cette chanson-là, Johan ou Raphaël, qui veut nous l'expliquer, c'est quoi ce choix-là. Mais aussi, je vous rappelle à tout le monde que la semaine prochaine, on va continuer avec Raphaël et Johan. Alors, revenez-nous la semaine prochaine. Alors, s'il vous plaît, expliquez-moi cette chanson-là qu'on va découvrir. La chanson que vous allez découvrir, c'est « Horloge » par Cowboy Fringant. La chanson parle beaucoup de le temps dans la vie. Comme, on n'en a pas beaucoup. Et vraiment, surtout quand on est jeune puis on n'a pas encore notre carrière, il faut vraiment prendre tout le temps qu'on peut. On ne peut pas gaspiller notre temps à juste être une heure d'hiver. Il faut vraiment comme travailler, faire notre travail, faire sûr qu'on fait bien à l'école. Être consistant. Consistant. Donc, je crois que vraiment cette chanson est... Oh, j'ai bien hâte de l'entendre. Hey, écoutez, je vous remercie beaucoup d'être passé. Puis, on se retrouve la semaine prochaine. On écoute les Cowboys Fringants. OK. Jeune et insouciant, à l'abri des affres des années qui passent, invulnérable porté par le vent de cette jeunesse qui croyait-il hélas aller se poursuivre éternellement, comme si le temps s'arrêtait se prélasse. Fort de l'enthousiasme de ses 20 ans, il était certain de mener sa barque différemment de celle de ses parents. Moi vous verrez, je vais laisser ma marque qui
qu'il leur disait un peu arrogant, alors qu'il avait toute la vie devant. Mais les aiguilles tout au fond de l'horloge battent la mesure et jamais ne dérogent. Elles nous rattrapent laissant dans leur sillage les rêves que l'on n'a pas réalisés, qui s'essoufflent à la façon d'un mirage. C'est dans le pas la réalité, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Ordinaire, mais ça montre à l'heure, car soudainement le temps vient à manquer. Si jadis il n'était pas un facteur, ce dernier devient précieux et compté. Et au milieu de cette vaine poursuite, il se dit que la vie passe trop vite. La grosse télé, la petite vision, le voyage dans le sud à la relâche. Accepter de vivre comme un mouton, suivre la masse, s'atteler à la tâche. À la remorque du temps qui s'enfuit, l'homme se rend compte qu'il a peu accompli. Car les aiguilles tout au fond de l'horloge battent la mesure et jamais ne dérogent. Elles nous rattrapent laissant dans leur sillage les rêves que l'on n'a pas réalisés, qui s'essoufflent à la façon d'un mirage. C'est dans le pas la réalité, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Se dit qu'il vivote, il sait bien qu'il est à côté de la plaque. Tous les matins, le jour de la marmotte, et sa vie qui va droit dans un cul-de-sac. Ah, comme il aimerait en changer de cours, avoir l'audace de faire demi-tour. C'est le courage de nos décisions qui se veut le moteur de nos actions. C'est lui qui nous pousse à franchir le pont et le fossé de la résignation. Mais qu'on soit immobile ou en mouvement, une chose est sûre, rien n'arrête le temps. Car les aiguilles tout au fond de l'horloge battent la mesure et jamais ne dérogent. Elles nous rattrapent laissant dans leur sillage les rêves que l'on n'a pas réalisés, qui s'essoufflent à la façon d'un mirage. C'est dans le pas la réalité, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie.